ta sortie de... Ah oui. Là, c'est plus la même, hein. C'est plus la même, là, ouais, c'est clair. Ouais, puis là, moi, je découvre, parce que je connaissais pas du tout. Ouais. C'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Ouais, tu prends la dimension de l'événement. Ouais. Bon, c'est cool, soyez là. Ouais, ouais. Le bateau est fait. Ouais, c'était bien. C'était dense encore. On a pas mal navigué contre les autres. On a bien progressé avec eux. Ouais, ça s'est bien déroulé, ça a bien marché. Et... Non, mais je les quitte plus. Ouais. Limite, je les lave pas. Ah mais c'est le moir. Et si tu veux que je te fasse ta promo, tu me dis. Hein. Non, mais... Ah, si. Merci. L'équipe de choc. Salut. C'est parti. Vous voyez, c'est bien. Bah ouais. Allez, on va partir sur ça. Allez. C'est ça? Je prends. Hein. Je te laisse le mettre bien comme tu veux. Allez, on... Ah, c'est énorme, hein. C'est génial. Génial. Enfin, j'ai fait un peu de buée sur la fin, mais le fait de l'avoir fait, c'est... on y est, quoi. Tu valides. Ah ouais, tu valides, ouais. Tu valides complet, quoi. Vidéo, il y a le bruit, il manquerait plus que des petits trucs, tu vois, pour que ça bouge un peu et étiller, quoi. Ouais. Ça fait quoi, du coup, d'être reconnu C'est bizarre. Des gilets. Pour le milieu marin, je connais pas du tout. D'accord. C'est la première, tu vois, sur l'ultime, c'est la première fois que je montais sur un voilier. Ouais. Ah ouais, okay. Et du coup, bah, tu vois, moi, voilà, c'était le cerf-volant en général. D'accord. Ouais. Et puis dès que j'ai eu l'âge, j'avais parapente. Ah, oui. Et puis mordu. Et bah ouais, ça c'est extraordinaire. J'en fais aussi. Ouais, on en avait parlé vite fait l'autre jour. La connaissance du vent, les mouvements, là, voilà. Non, c'est l'aérologie. Quoi. Ouais. Ça, c'est de la croisière aussi. Ouais. Là-dedans, t'es royal. T'as 8 couchettes, t'as une cuisine, mais il y a une cave à vin, quoi. Bon, ouais. C'est avec l'ultime. Et Flo, bah ouais, c'est le Pierre Premier de Florence Artaud de 90. Quoi. Ok. Et puis le poste de bar. Tiens, regarde l'exposition du poste de bar. Ça, sur le flotteur là. Ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Le petit siège de jardin là. Les pilotes automatiques à l'époque, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Enfin. Du coup, tu passes pas mal de temps à la barre. Ouais. Et ça, typiquement, ouais, c'est moulé sur un siège d'arbitre de tennis, quoi. Ouais. Hein, c'est à peu près ça, quoi. Oui, et puis il n'y a pas de coussin. Hein. Du coup, est-ce que les poutres, là, tu vois, qui tiennent les flotteurs latéraux, est-ce qu'elles ont un profil pour aider à faire voler? Non. Ou c'est juste vraiment la traînée Ouais, exactement. Ça crée pas de portance aux vitesses, voilà. Où on va. Toute la portance, elle est créée par les appendices, ouais, sous l'eau. Sous l'eau. Le gain, il est sur la traînée, quoi. Ouais. Le fait de propager la traînée sur un bord de fuite, c'est toujours mieux que sur un bord plat, quoi. Ouais. Tu vois, même un peu comme des ailerons de Formule 1 ou des trucs comme ça, tu vois, pour les asseoir ou pour... Ouais. Il n'y a pas d'intérêt sur l'eau, tout se passe sous l'eau. Quoi. Et on a des compétences dans différents domaines après. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial, c'est que tu arrives à concilier les deux, tu vois. Ouais. Que tu as toutes les compétences pour être auprès de la nature et avoir la sensibilité, puis en même temps, être capable de gérer. Être sur du numérique et du. Complètement froid. Et, ouais, exactement. Ouais. Ça, c'est là, pour le coup, tu vas d'avoir un peu traversé l'écran et de me retrouver là. Ouais. Et mais ça amène un peu plus de piquant et un peu plus de. C'est aussi encore un challenge, tu vois, c'est de réussir à se mettre de ce côté alors que tu n'as pas forcément au départ. Ah non, voilà, exactement. C'est ça. Mais non, c'est un rêve. Ouais, c'est un rêve, vous me faites rêver, quoi. Ouais, ça, c'est clair. Ouais, c'est... Bon, le rêve marche dans les deux sens. Ouais. Je sais pas, vous en êtes conscient. Là, tu roules plus du tout. Si. Si, c'est vrai. Ah, oui. Bah, je dirais que pour aller voir mes animaux. Ah ouais. Ah, oui. C'est mon outil, un des outils de travail. C'est vrai. Ouais, ouais. Tu joues. Ouais. D'accord. Ouais. D'accord, ouais. Non, moi je suis sur l'ultime. Appuyez sur BMG et lâchez les flèches. C'est bon. On appuie jusqu'à ce que ça soit vert, on lâche les flèches, le bateau va se régler parfaitement. Le bord suivant, il est skiable. Ouais, on passe au ski. Donc c'est ici. Ah ! Yes, c'est passé. Bateau vert qui arrive en 445, félicitations. Merci.
c'est bien. Ouais, c'est bon. C'est bien. Bon, Julien, c'est ça? Oui. Très bien. Donc, vous avez gagné la Sodebo eSkipper Academy, c'est ça? Ouais. Et donc, vous allez courir pour Sodebo sur la Virtual Regatta. Exactement. Ok. Julien, comment on se prépare pour faire une course virtuelle, une régate virtuelle? Je pense comme un skipper, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une hygiène de vie assez correcte, pouvoir enchaîner les grips, les mises à jour météo. Voilà, et puis je m'entraîne un petit peu sur le jeu également. Thomas, qu'est-ce qui vous inspire le parcours de Julien? En fait, j'adore son regard. Il a les yeux bleus, certes, mais il a un regard d'une curiosité incroyable. Il a un regard d'une authenticité qui est magnifique et qui est magique. Il a un regard sur nous, il a un regard sur ce qu'on fait. Et cette rencontre, elle est juste magnifique. Elle nous représente, hein, notre groupe, il est comme ça. Je suis très reconnaissant à Julien d'avoir franchi cette porte et de nous avoir offert cette rencontre. Merci Julien. Ah, c'est réciproque, vraiment. Julien Pfeiffer sur le ultramarin Sodebo qui va essayer de gagner la Virtual Regatta. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans moins de 5 minutes sur France Bleu en direct de Saint-Malo.